En Indonésie, démonstration des performances de la tourelle Kokril 3105 montée sur le char moyen de Pitipindad. Au Vietnam, mise en service d'un nouveau système de revêtement sur une ligne de galvanisation. Signature de commande pour une ligne de traitement de surface. En Birmanie, commande pour une ligne de galvanisation et une de revêtement organique. Signature d'un accord de collaboration pour offrir des équipements sidérurgiques. En Chine, modernisation de lignes de galvanisation pour revêtements aluminiers, réalisation de la section de décapage sur une ligne inox et commande pour une installation de régénération d'acide. Signature de joint ventures avec Tempro pour des installations de traitement de surface et avec SJH pour la fourniture d'électrolyseurs alcalins. Au Bangladesh, commande pour le retubage de deux chaudières Hitachi. En Inde, enregistrement d'une des plus grosses commandes de l'histoire chez Tata Steel. Deux lignes de galvanisation et une de recuit en continu.